Bah si, j'ai une fucklist, il y a une meuf dedans. La mienne. Voilà. Chérie, si tu entends, je te baise. Non, c'est pas ça qu'on dit. Ah. Au revoir. Alors, as-tu une fucklist? Une fucklist. C'est quoi ça? C'est une fucklist. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est qu'est-ce que c'est? Attends, définissez fucklist. C'est-à-dire? Précise. Parce que je connais pas ce terme. Selon toi, c'est quoi? C'est la liste de personnes que t'as le droit de... avec qui t'as le droit de tromper. Sur ma liste Facebook, les gens que j'aime pas, fuck. Une liste d'emmerde, quoi. C'est une liste de gens que t'as envie de ken. T'as envie de fuck. La liste de, avec qui j'ai... Tous les gens qu'on a... Personnes que j'ai... Des mecs avec qui je fuck. Une fuck list. C'est une liste de tous les partenaires sexuels que tu as eu dans ta vie. Le nombre de fois où tu as fait l'amour avec un partenaire différent. Oui. Ouais, j'ai une fuck list. C'est vraiment un truc de mec de se dire, voilà, à combien j'en suis. Je l'ai dit une par une. Non, pas du tout. Franchement, faut être fou pour avoir une fuck list. Qui a une fuck list? Bah, tout le monde. Ouais, j'ai une fuck list. Dans un dossier nommé boulot. Ce sont mes notes dans mon téléphone. Genre j'ai un tableau Excel avec des noms. Ah putain, ça c'était note sur 10. Ah ça 6 sur 10. Mais non, y'a pas de ça. Non. J'ai un petit carnet où je note tout, mais pas que ça évidemment, mais plein de trucs un peu secrets. D'accord. Ah ouais, bah du coup, non, pas du tout. Ah alors non, j'ai pas fait, non. Ah et je tiens un compte. Non. Ah oui, y'a genre un tableau Excel avec ce genre de psychopathe. J'ai pas de liste comme ça. Enfin, je sais à peu près combien avec qui j'ai couché. Voilà, tenir une liste. Non, j'ai pas de fuck list. Ah oui, ah non. Non, j'ai pas de fuck list. Je sais qu'il y en a plein quand on mais moi. Non, du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas ce genre de liste. Ah non, je suis pas ce genre de mec. J'ai pas ce genre de truc. C'est creepy un peu. Tu prends la femme comme un trophée. Y'en a qui font ça? Non, je ne tiens pas ça. Je connais dans ma tête, j'ai pas besoin de les écrire. Si j'en avais une, elle serait vierge donc. Ah bah, elle est vide, hein. Elle se résumerait à tellement peu. Bah, ici. La liste serait pas très longue. C'est pas assez nombreux pour que... Je me mette à l'écrire, on va dire. Parce que j'ai pas eu 36 000 expériences non plus. Parce que j'ai couché qu'avec une seule personne. Et j'ai clairement pas besoin de ça. Donc je pense que la tête suffit aujourd'hui. Bah, dans ma tête. Ah non, je l'écris pas. Je la connais, mais... Elle est pas écrite sur un papier. Je l'ai en tête. Elle est pas écrite, elle est dans ma tête. Je ne la tiendrai pas sur un cahier. Les 2-3 premières fois, tu comptes parce que t'es en mode ouais et tout, j'ai fait avec elle, truc. Après, bon, bah, tu te rappelles des personnes. Oui, enfin, il y en a pas beaucoup, mais. Je m'en rappelle. Enfin, je sais avec qui, mais. Mental. Mais pas écrite. Bah, après, je les compte, hein. Ouais, dans ma tête. Dans ma tête. C'est dans la tête, quoi. Je vais pas répertoire, mais j'ai des archives mentales dans ma tête. Je suis certain de me rappeler tout le monde. Peut-être pas là tout de suite, mais si tu me laisses quelques minutes. J'ai la chance d'avoir une bonne mémoire. Mais en vrai, tu te souviens. Au moins les prénoms. Donc ça, y a pas de souci, mais... J'écris pas sur une fiche, non. Avec telle personne. J'ai pas fait de Word avec les prénoms et les noms des personnes avec qui j'ai couché. Avec genre en mode un petit commentaire, alors là c'est A+, B-. Pour moi, ça fait un peu beauf de noter tous les noms des personnes avec qui t'as... À mettre une note pour les seins, une note pour le cul, une note pour le reste. C'est un peu bizarre de faire ça, je trouve. Ça peut être déshumanisant, même si je pense que certains le font pour rire, mais non. C'est pas en moi, genre d'avoir une fuck list avec plein de gens, hein, t'as... J'ai pas envie d'en faire, c'est complètement... con. C'est pas du tout mon délire. C'est un peu malsain, non? Vu que je suis pas parfait, bah je suis pas digne de noter quelqu'un. Du moins pas pour l'instant. J'en aurai peut-être une un jour. J'en ai pas encore une. Mais bientôt peut-être. J'ai pas faite, mais oui, j'ai une fuck list. Peut-être qu'un jour, il faudra que je fasse un petit Excel, quoi. Qui sait? Non, j'avais cette idée et en fait, bah, j'ai rencontré mon copain et du coup là, ça va faire un an qu'on est ensemble. Je crois que j'avais déjà fait la liste avec une pote dans l'alphabet du nombre de lettres qu'on avait pécho, mais genre juste embrassé. Genre une kiss list, j'ai. Je l'ai fait parce qu'on l'a fait une fois avec des potes, un peu pour savoir un peu le compte. Ma meilleure pote, elle se rappelle mieux que moi les gens de ma liste. En gros, on a pris l'alphabet et on essaye de mettre une initiale sur chaque personne. Au début, il y avait une voyelle en commun et je trouvais ça super stylé. Et je me suis dit, vas-y, je continue de coucher avec que des personnes qui ont la même voyelle en commun. Et en fait, bah non. J'ai couché avec beaucoup de mecs qui avaient le même prénom. Et du coup, j'étais un peu confuse et j'arrivais plus à savoir combien ça faisait au final. Pendant un voyage avec des copains, il y avait une fille qui avait une fucklist. J'ai commencé parce qu'un jour j'avais couché avec une nana qui elle-même avait une fucklist. Et en fait je trouvais ça hyper cool parce que bah, ça t'aide toi à te remettre un peu dans la situation. Et du coup j'avais fait l'amour avec une fille vraiment vraiment belle. Et c'est vrai qu'au début je m'étais dit je vais pas faire ça et je vais pas faire une fucklist, ça appartient vraiment qu'au mec macho et tout. Il y a juste les noms et prénoms. Il n'y a pas de notes, une fois j'ai fait un classement. Moi c'était un peu plus du coup, il y avait les gens que j'avais embrassés, les gens avec qui j'avais couché.
Et la nana qui avait cette fuckliste m'a vraiment convaincu en mode, des fois tu la relis, ça fait une petite introspection sur toi-même. Et du coup, depuis ce jour-là, je me suis dit, putain, ce serait vrai que ce serait cool de pouvoir se faire une petite liste. Et du coup, peut-être que je pourrais en parler à mes enfants, quoi, leur dire, regardez la liste que j'ai, elle est folle, quoi. J'écrivais le nom, le prénom et le métier. Pour moi, enfin, je suis fasciné par les métiers. Puis après, j'ai créé quelques petits détails croustillants. Et depuis le confinement, je crois que j'ai arrêté de remplir la liste. J'ai déjà fait un truc comme ça pour voir un peu un nombre, mais j'ai pas de fuck list. J'en ai déjà fait une. Je l'ai fait et j'ai lâché l'affaire. Après coup, je me suis dit, mais ça sert à rien. Ça m'a saoulé parce que je trouve ça pas bien. Et je me dis, imagine-toi, t'as un type qui trouve le calepin. Moi, c'était tout le campus en Angleterre. C'était dans la cuisine communale. On avait plusieurs listes. Liste vomi, puke list. Et après, on avait bad list, tu vois. C'est ça qu'on appelait en fait. Et à chaque fois qu'on partait en soirée, il fallait faire une petite croche, une petite barre ou ce que t'avais. Et moi, vu que j'avais rien, je faisais qu'avec la même personne. Je faisais semblant, tu vois. À chaque fois que je les faisais, vraiment, ça compte pas, tu vois. C'est par personne. Moi, j'étais là, je rajoutais, histoire de pas paraître triste, tu vois.